Salut, Clark pour Ivy Romandie. Nous sommes au Restaurant du Würenlos près de Zurich. Et ici, GoFast inaugure son nouvel emplacement. Donc, on a 10 places de recharge de chaque côté du Restaurant. Ça fait 20 places en tout. C'est le plus grand emplacement de GoFast. Et c'est presque le plus grand emplacement de Suisse, mais il y a seulement Tesla qui a encore des emplacements avec plus de places de parc. Du côté nord, ici, on a 3 chargeurs GoFast conventionnels avec CHAdeMO, CCS et Type 2. Et ensuite, on a 4 chargeurs avec une prise CCS qui ont chacun leur place de parc dédiée. Vous ne partagez pas le chargeur avec quelqu'un d'autre si vous mettez là. Et la dernière des places de parc, c'est une place 300 kW. Du côté sud, on n'a que 2 chargeurs GoFast standard, donc chacun jusqu'à 150 kW. Et ici, ils ont installé 3 autres stations plus lentes qui sont avec les places vertes, donc des chargeurs 22 kW. De ce côté ici, ils n'avaient pas la sortie de courant aussi puissante que de l'autre côté, c'est pour ça qu'ils ont mis moins puissant. Et il y a aussi une installation en plus, c'est une batterie. C'est en fait des anciennes batteries de Nissan Leaf là-dedans. Et c'est utilisé pour avoir la puissance nécessaire. Donc quand personne ne recharge, les batteries prennent du courant. Et puis quand quelqu'un arrive et souhaite 150 kW, et ben, les 150 kW sont disponibles en provenance de la batterie. Voilà, donc c'est le nouvel emplacement, je dirais. Si vous n'avez pas de Tesla, c'est THE emplacement où s'arrêter si vous allez vers Zurich ou que vous revenez de Zurich. J'espère que ce contenu vous aura plu, même si ce n'est pas directement en Suisse romande. Et je vous dis à la prochaine. Retrouvez les détails sur le Würenlos et 2000 autres emplacements en Suisse sur la carte des stations de recharge Ivy Romandie. Vous y retrouverez les badges compatibles, les tarifs de recharge, les horaires d'accès, l'affluence, des photos et bien d'autres fonctionnalités à venir. Rendez-vous sur map.ivyromandie.ch sur votre téléphone ou ordinateur.